Cocina, dia 6, ça c'est cuisine, donc dia 6, professeur Sonia Soto, dia 6 pour évaluation. On a mis non, classe épidate. Si on a tel niveau A, on a mis 3N1. Si on a tel niveau B, on a mis 3NB. C'est un dia qui est très important, qui va aller chez tout, c'est la gastronomie. Il dit que pour nous capables de connaître et identifier les vocabulaires gastronomiques. Nous avons un paquet de vocabulaire qui parle seulement de gastronomie. Donc, tout ça, c'est un vocabulaire qui est utilisé dans la cuisine. Nous avons un vocabulaire et nous avons un qui ça signifie. Ça veut dire qu'ils ont abattu, c'est un matériel pour capable. Et pas de viande, non, pour avoir la forme et une viande qui est plate. Ouais. Et abri d'un tal, il y a une bonne définition, c'est un matériel qui est là pour avoir fait d'albrigio con gelatina sin sabor. Et donc, il y a un pile vocabulaire, et c'est un vocabulaire gastronomique. Ça veut dire nous-mêmes qui avec qui cuisine, il est très important pour nous capables d'habituer avec thème ça. Et adresso, adobal, amasal, apagal, apanal, apanal à la inglesa. Et donc, tout ça, c'est vocabulaire cuisine, cuisine. Très, très important. OK. Nous, apprenons nous pour nous capables de lire parce qu'il va poser une question sur le même vocabulaire ça. Sous même vocabulaire. Par exemple, bagnomadia, qui ça signifie? Si vous dites, bon, et pour ta traduire, où est moi, c'est pas ça, par exemple, bagnomadia, ou ben Marie, non. Ça signifie, il y a l'autre bagaille dans la gastronomie. Vous comprenez? C'est un type de bain, c'est un type de bain, il y a un récipient qui plein de l'eau, et puis, de l'eau capable. Mettez du feu en balle, là on capable chauffer des choses et dans l'eau ça c'est ça qui est bien c'est un bagno maria. OK, et d'après Bati, beurre mani c'est son des vocabulaire qui est très très important. Ya, on a regardé tout le vocabulaire et puis nous allons chercher qui activité professeur a demandé pour nous capables de faire. OK, on a la partie D, sélection multiple. OK. Dit que dans la question 1, selon connaissance, ils ont abatté, c'est eux. Eh bien, notre définition en l'air, abatté, nous allons regarder la définition, nous allons voir qui ça abatté à lui-même, lié. OK? C'est un golpe à dol de calné. Notre définition en l'air. Ils ont abattu sur Golpiadol de Calné. Bon, on allait. OK. Et le concept de mise en place, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est un mot français. Donc, habituel avec le conseil. Mise en place, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons cherché le pourcentage. Ça, bah, c'est pas dans notre compte. OK. Et par la gratinelle, un alimento. Ça veut dire pour capable de bailler un aliment, pour le capable de gagner un gratin, pour le pour le faire gratin, vous devez mettre à telle température. Combien de température? Ça, l'idée. Température fois, combien l'idée? D'après ça, vous devez étudier en l'air. OK. La question 4 là, je dis que Blanquer, Pochard ou Helbil sont méthodes de cocción. Vous devez étudier ça en l'air. Quel type de et cocción nous utiliser lorsque la blanquière, la pochale, la pile. OK, la question 5. Technica de torneado en Grèce consiste en la technique de tournant en Grèce là, qui s'allie. Si nous bien étudier texte qui est en l'air, on a besoin de réponse en l'air. Eh bien, on a bien choisi ça qui est bon. OK, définition de colt baston. Définition colt baston, qui ça vient? Il y a un
lorsque nous avons fait une coupure en forme baston, en forme bâton, eh bien, qui s'allie? La définition, nous avons tout réponse. Ok, là, nous avons le concept gastronomique, le vocabulaire encore. Timbal, tonéal, trinchal, UTH, IHT, zest, sumo, tout le bagage que nous habitués avec yo. Ok, là, nous avons une dernière activité pour nous faire. Parlez que activité, ça va? Tout cousin a une feuille, on a une feuille blanche. La feuille, on a une feuille blanche. Mais ça, tout, on a fait une feuille blanche pour nous attacher avec parce que question ça, il faut que nous croisions pour nous remettre feuille là. Mais l'autre partie, par exemple, partie ça, la feuille, on fait blanc, on va attacher avec feuille ça pour nous capables de remettre. Ok. Dis-tu que pourquoi, pour que ça nous croit que l'important, l'innécessaire, vocabulaire technique pour travail cuisine. Pour que ça, nous croit l'important. Le vocabulaire technique, ça, pour travail cuisine. Pour que ça soit important. Le vocabulaire, ça, pour que ça soit important. Là. Qui concept qui plus porte nos attention? Allez, qui concept selon le vocabulaire ça nous qui et selon nous plus remet ou bien qui porte nos attention? Ça veut dire ou de qu'on utilise ou de qu'on dit en l'air c'est tout qu'on tant de quelque ou de qu'on avec quelqu'un qui contexte appliqué. Question 4 là, il dit que vous avez choisi 5 concepts et puis vous avez fait dessin chaque. Vous avez choisi 5 concepts, vous avez réalisé un dessin chaque. Ça veut dire que vous êtes capable d'utiliser quelques matériels que vous utilisez dans la cuisine ou habitué, vous avez fait dessin 5. Vous avez cherché 5 ça pour habituer ou faire dessin. Vous espérez que ça va observer nous. Bon succès.